Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire que la Cour suprême américaine retire de la loi fondamentale fédérale le droit à l'IVG? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque État fait ce qu'il veut. Ok. Chaque État n'est plus soumis à la loi fédérale. Ok. Ça veut aussi dire que les femmes qui auront les moyens pour aller avorter dans un autre état, en kilomètres, imaginez, il faut traverser la France, hein. Imaginez, vous traversez la France, voire peut-être deux fois la France, pour aller avorter, légalement. Et celles qui n'auront pas les moyens de le faire se retrouveront bloquées. Ça veut dire que des femmes vont se retrouver dans une situation d'inégalité devant la loi. De fait. C'est ça qui est terrible. C'est aussi ça qui est terrible. Dans toute cette réalité qui arrive, c'est le fait de cette inégalité. Total. L'Amérique fonctionne dans un système d'inégalité. Qu'on soit dans un camp ou dans un autre, quand on voit ça, on s'en rend compte. Les juges fédéraux ont pris une décision totalement débile en mettant les gens dans un état d'inégalité. Alors que l'égalité devant la loi est prévue dans la Constitution américaine. C'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible, c'est ça. Ils ont pris une décision totalement folle. Par contre, ils ont décidé que tout le monde avait le droit de prendre une pendant. Pourquoi? J'arrive toujours pas à comprendre qu'au même moment, il y a ça, et au même moment, il y a ça. J'ai le vertige dans tout ce délire. Les deux fois que j'en parle, je sais, mais comprenez bien le problème et mettez-vous ça dans la tête que ça va être ça.